La police déjà mette en bakod yon groupe de famille non identifié kap entre zam nan PIA selon PM Jout nan diskou ki li même li tabay pou la presse. Gros question kap pose, c'est qui est moun sa yo, qui famille kap entre zam nan PIA malgré nou gen soupçon de moun kap entre zam nan PIA, ben selon PM nan, la police déjà mette en bakod yon groupe de famille kap fè zam entre illégalement sous territoire national la. PM nan te tout profiter ajouter que l'état a prend des gros dispositions yon façon pour capable continuer mettre en bas code groupe moun sa yo qui a fait zam si qu'il est en dans territoire national là. Déjà nous t'ap pour hier comment yon vidéo nèg base 400 maozo yo t'ap passé sous tout internet là, comment nèg yo même y avec trois beaux kit cartouche pile grand zam a fe nèg yo k'ap fè vidéo, k'ap pran plezir, on prend k'ap voye message bay police nationale la. Alors, est-ce que réellement message ça li même li rive sou PM Jout, ki disposition l'état ou bien police nationale la pral pran pou yo kapab apprendre nèg sa yo k'ap fè gros zam entre nan peyi a pou kapab si maye la troublay sou population haïtienne nan? Se gros question k'ap pose. Yon nan question k'ap pose tout, c'est qui est moun sa yo yi? Pou ki sa l'état pa identifié group moun sa yo? Est-ce que gen toujours? Si gen toujours, qui est qui gagne toujours k'ap fè zam entre sou territoire national la? C'est en pile question moun a pose sou tout internet la. Mais malheureusement, ki poko ka jwenn yon réponse? Selon discours PM nan a bay, li fè konnen ke l'état ap travay yon fason pou kapab kontinye mete an bakòd, men yon nan bagay an pil moun tap tann nan discours sa, men byen malheureux ki pa jwenn ni, se disposition l'état ap pran pou al stopper groupe gang sa yo avec zam sa yo nan men yo. Nou kapab di se zam ke nou pa jam wè même nan men police nationale la. Alors se zam sa yo nou wè nèg yo même y'ap fè vidéo, y'ap lagé sou tout internet la, y'ap gonfle l'estomac yo, yon façon pou yo ka di police nationale la se yo même kap commandé nan ti bout tè papa Dessalines nan. Gen koze pou tande nan République sa, gen koze pou wè. Avant même que nous laissons regarder comment PM Jout a bayon discours dans micro la presse, qui te prend comme d'habitude quelques secondes pour nous saluer et puis remercier auditoire là, faut que moi dire sans ou même j'ai pas tap saluer jodi, faut que moi dire sans ou même travail n'a faire pas tap river possible. Alors les ou abonné avec chaîne là, les ou toujours quitter un commentaire, les ou toujours partager vidéo ken lagé sur chaîne ça ou ba nous plus encouragement pour nous continuer fait travail ça que nous même n'a fait. Ou même quand regarder vidéo ça qui déjà abonné, qui te nous remercier, et ou même quand regarder vidéo ça qui poko abonné avec chaîne là, n'a invité ou abonné avec chaîne là pour nous capable agrandir communauté Genangia. On regarder comment PM Jout lui même t'a baillon discours dans micro la presse pour le faire connait comment l'état a prend des grandes dispositions pour capable stopper phénomène kidnapping ça, pour capable stopper phénomène insécurité ça depuis quelque temps qui blaye col sous territoire national là, et puis nous même n'a tourné dans un petit moment. Yo identifié tout. Y a un certain nombre de familles et de personnes qui fait commerce d'armes avec munitions. J'en connais un, il y a un pile problème dans frontière yo. Tout comme dans pile problème tout dans Wafio, quel de Saint-Marc, quel de Cap-Haïtien, quel de Miragouane, quel de comment vous voyez le Waf hiver, la Fito, il y a des autres tout côté ça. Mais l'autre jour, j'étais obligé de rappeler un journaliste à l'ordre qui, au cas, nous font saisir le conteneur qui était dans ça. Il y a arrêté un monde. Le commissaire de gouvernement près du tribunal civil du Cap-Haïtien, il relâché deux semaines après.
nous leur comptons les âmes. Alors, quitter les âmes là-dedans, pas vrai, nous pensons que conteneur plein âmes, non. C'est mon conteneur qui plein âmes. Il a dissimulé une certaine quantité de munitions, et puis certaines âmes tout, dans des colis en tant que conteneur. Et puis c'est même Mounsa qui tellement chef, impunité a tellement gros en Haïti qui tournait vers dédouaner les conteneurs. Moi, après, je suis en prison. Moi, je souhaitais que le commissaire gouvernement qui l'a connu, lui prend précaution pour ne pas larguer mon encore malgré la police des CPJ, bail toute information, bail toute preuve qui dit mais qui est-ce qui met Zamio. Mais tout jusqu'à présent, tout, je cherche à connaître qui est-ce qui t'embarque et conteneur. Mais j'ai une information, ça est extrêmement compliqué. Je finis là. C'est pour ça que je demande la presse support. Le autant d'informations, ça est diffusé. Bail nouvelle. Parce que moi-même, en tant que Premier ministre, je fais tout ça que je suis capable pour la sécurité dans le pays. CSPN, tu as fait dans le temps normal chaque 3 mois. Je fais par semaine. Des fois, je fais 2 semaines. Des fois, je réunis un pile de monde qui sont dans la société civile, qui ont des informations pour venir partager des informations avec la police. Mais je vous dis encore, appel ça que je lance à tout secteur de la vie nationale, ce n'est pas un appel politique, ce n'est pas ça que je vais régler. Je vais adresser à nous, les partis politiques, les chambres de commerce, les cultes, côté catholique, que ou protestant, avec toute confession religieuse qui est dans le groupe protestant. Je voulais parler de baptistes, adventistes, pentecôtistes, l'âme céleste, quel que soit mon ouïeur, moi, demandez-nous, aide-nous, moi, demandez-nous, support-nous, parce que je ne pas connaître un monde qui n'est pas victime de sécurité en Haïti. Ce n'est pas un monde qui est kidnappé, c'est un monde qui bombarde. Moi-même, dans la primature, là, moi, j'ai 2 policiers victimes dernièrement. À coup de wash, vite machine crasée ou blessée dans toute figure. Samedi encore, moi, mon policier, l'un des policiers les plus disciplinés de la primature. Bandit, tiré sous les dans le bavé, nous courons pour l'hôpital, m'a planifié jeudi après une fin de parler avec nous Malouel et puis il mourit hier soir. Ça veut dire moi-même m'a souffert tout parce que des proches moi qui victimes, qui blessés, qui mourit. Moi j'ai un gros dilemme là avec la police nationale. Nous signons un contrat avec une firme, un haïtien, c'est monsieur Carvé. Eric Ave, qui signe un contrat avec l'État haïtien pour construire 623 appartements pour policiers. Et puis, monsieur a descendu la ville là, pratiquement dans la même zone côté attaqué inspecteur de police là. Et puis, on loge un balle dans la tête, il crase la figure, monsieur. Le moi-même m'a planifié pour faire un avion, ou bien chercher un moyen pour me presser déplacer parce que. Et tal de hier, je suis arrivé dans l'hôpital général. Malgré tout ça, médecin ont fait pour lui, nous perdons, monsieur. Ça veut dire, c'est un projet qui campe. Nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous sommes obligés à faire l'autre négociation pour nous faire construction dans les bénéfices policiers. Alors que, nous avons parlé de 200. 300 unités de logement.
Le nous sommes dans les policiers, nous avons tombé dans le quartier populaire pour nous construire caille pour eux. Son méthode qui marchait très vite, mais nous voyons dans qui ça a une sécurité à Bethel. Appel moi lancé, tant pis s'il vous plaît, tout le monde qui a une bonne volonté, nous avons besoin de discuter avant. Nous n'avons pas besoin de discuter politique, ce n'est pas ça qui intéresse le premier. Nous avons bien content de discuter politique, mais il faut une chita pour discuter sécurité. Cap ban politique là, cap ranger l'économie dans le pays, cap ban la santé, cap ban tout bagaille. Parce que stress assez pour tuer tout le monde dans le pays. Merci en pile, merci encore pour